Ah, tout va bien, Louise. Je rentrerai pas tard. Ah, monsieur le pape. Ça va? Ça va. Ça ira mieux quand je serai à la retraite. Mais dites donc, c'est pas pour longtemps, parce que c'est pas 65 ans chez vous. Eh bien, heureusement, dites, parce qu'avec tout ce qu'on se tape en ce moment, on vieillit avant l'âge. Hein. Remarquez, quand je dis avec tout ce qu'on se tape, c'est surtout nous qui tapons. Charles, c'est vrai que vous y allez pas de main morte, hein, là, ça y va bien. Vous rigolez ou quoi? On nous prend pour des brutes, mais on sait même pas contre qui on est. Il y a 15 ans, quand on tapait sur les Arabes, au moins, on le reconnaissait. Mais aujourd'hui, la manifestation, il y a de tout. Des Mao, des gauchistes, l'extrême gauche, l'extrême droite, allez vous y reconnaître. Non, le problème pour nous, c'est le problème de tout le monde. Pas faire d'heures supplémentaires. Aussi, le soir, quand il y a la manif, on s'arrange avec le brigadier pour pas faire d'heures supplémentaires. Hop, on fait une petite charge, deux ou trois coups de matraque, on en embarque une vingtaine, et on rentre chez soi à l'heure. Salut Gaston, ça va? Tu fais pas grève aujourd'hui? Ouais, non, franchement. Ah. Non, c'est vrai ça. Quand j'arrive tard à la maison, la femme, elle ne vit plus. Vous croyez que ça l'amuse de me savoir au milieu de ces barricades, à risquer de prendre un cocktail Molotov dans la gueule? L'autre jour, on regardait une course d'automobile à la télé. Et bien, elle m'a dit, finalement, j'aurais moins peur pour toi si tu étais coureur automobile. Moi, ça m'aurait plu d'être coureur. J'ai essayé d'être motard. Mais j'ai pas été pris, j'étais trop petit. Oui, trop petit. Un motard, ça m'aurait bien plu. Tiens, les motards, eux, c'est les rois. Nous autres, les flics de la rue, on peut pas nous voir. Tandis que les motards, vous êtes tous là, même vous, là. Un motard, bouche bée d'admiration. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils savent foutre? Rien. De la moto, voilà, c'est pas sorcier. Puis, attends-nous, je peux le dire, hein. Les motards, c'est les plus beaux salauds. Dimanche dernier, ils m'ont épinglé à moi, parce que je doublais dans une côte. Ils m'ont aligné, hein. Ils se prennent pour les rois de la route, ces cons-là. Alors? Même à nous, il ne passe rien. Rien, il ne passe. Quand on parle des polices parallèles, vous avez les plus parallèles, c'est les motards, hein. Voyez-moi. Moi, je voulais pas être flic. Moi, je n'ai pas une âme de shérif. Sincèrement, monsieur le pape, vous me connaissez mal. Moi, je voulais être infirmier. Mais alors, quand il y a eu tous les examens, tout ça, alors j'ai vu que j'allais être garçon de salle. Ce n'est pas une situation pour un homme marié, hein. Alors, tant pis, je me suis rentré dans l'administration policière. J'ai fait flic. On s'arrête, là, c'est pas un arrêt, là. Oh, qu'est-ce qui se passe, Gaston? On est bloqué par une manif. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent nous emmerder, ces cons-là? Oh, les camarades, pour gagner la beefsteak, ils s'emmerdent pas, non?